job, babe. That's right. Hey, hey. Yeah, Marvin Devine. Yeah, this pussy's on fire. Eh bien, salut tout le monde, les amis, c'est pour Real Ken 7, donc j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super les gars, et on se retrouve aujourd'hui pour un top 10 troll, et en effet en ce moment j'en fais pas beaucoup, mais voilà, c'est un peu la crise, parce qu'il faut savoir que c'est quand même assez long à faire, ça paraît pas comme ça, mais tout trier, tout faire, enfin bref, voilà, on se retrouve pour un top 10 troll sur Call of Duty les gars, j'espère qu'il vous plaira, pour m'envoyer vos clips c'est très simple, vous uploadez un clip troll sur votre chaîne YouTube, et vous me l'envoyez par message privé sur ma chaîne YouTube, donc voilà les gars, go. Et donc en 10ème position sur Black Ops 2, nous retrouvons Code Loul qui va subir un troll à la RCXD. Donc pourquoi je dis ça, c'est plus un troll fail. En tout cas bref, c'est pour ça que je l'ai mis en 10ème position. Mais regardez ce que fait l'RCXD. Donc le mec va lancer ses RCXD, elle va tourner je sais pas comment et va le tuer. Donc voilà, c'est vraiment l'RCXD l'a trollé, y'a pas d'autre mot. Mais comme voilà, c'est un peu un fail, je l'ai mis en 10ème position. Ensuite en 9ème position sur Black Ops 2 sur la map Cargo, nous retrouvons The Gamer 933. Donc là il a jeté ses deux bâtonnets sur Imi hein. Et donc là il attend, je sais pas, il attend de voir quelqu'un, tu vois, il attend de choper quelqu'un, de le troller. Mais là voilà, ça va pas tarder, les ennemis sont là. Donc là il y en a déjà un qui tire, il y en a un autre partout, il y en a un autre qui va arriver à droite, vous allez voir en face de lui. Donc voilà, il y en a deux. Et donc là il se dit tiens, allez, on va faire un petit troll tout ça. Donc voilà, là il laisse faire un peu et là il va le suivre. Vous allez voir que comment dire, ça va être un peu la poursuite des amoureux, parce que vu le temps qu'il va le suivre, franchement, après on va me dire dans les commentaires, oui voilà, il le suit, c'est pas énorme, mais les gars, franchement, suivre quelqu'un autant de temps sans se faire tuer ou même repérer, c'est quand même pas mal, hein. Surtout que là, voilà, il va se faire électrocuter par les bâtonnets de surimi qu'il avait lancé, mais bon, au final, voilà, je veux dire, le mec, il s'est retourné pour voir s'il n'y a pas quelqu'un, mais bon, trop tard, mon gars. En 8ème position, nous retrouvons Chacha 53, Recherche Destruction, qui a lancé, les gars, aussi un bâtonnet de surimi, un croustibat. Là, il va alors relancer un deuxième croustibat, et il va faire le contour de la map. Donc, en fait, il a un peu brain l'ennemi qui tout simplement, bêtement, va attendre en face de là où il avait lancé ses bâtonnets. Sauf que lui, bah voilà, il est passé par derrière. Et bref, les gars, voilà, donc le mec, il attend bêtement, parce qu'en fait, il est derrière lui, donc là, il va lui lancer son C4. Le mec, toujours rien, donc il va le récupérer, hein. Enfin, il me semble, voilà, il va le relancer, le mec, toujours aucune réaction, voilà, le C4, hein, le mec, il se doute pas que le C4, il est peut-être venu de quelque part, et là, il va le lancer sur lui, là, le mec va enfin se rendre compte qu'il y a quelqu'un, mais encore une fois, trop tard, mon gars. Et donc, en 7ème position sur Black Ops 2, nous retrouvons IDTX HD, qui va faire un troll à deux. Ils vont faire le troll à deux, ils vont carrément gangbang le type, ils vont le prendre, voilà, à deux. Le mec va se prendre une double, il se fait para, mais il se fait para, les gars, il se fait enchaîner. Et le mec, tout simplement, est derrière, en train de miner le terrain de Betty. Et forcément, les gars, quand le terrain est miné, eh bien, tu crèves. Et en 6ème position sur Black Ops 2 sur Raid, les gars, on va avoir affaire à un vrai cache-cache, un loup, un ce que vous voulez. C'est un truc qu'on faisait dans les cours de récré, limite, je vous jure. Vous allez voir. En fait, là, on est dans la vue de celui qui va se faire troller, parce que tout simplement, regardez ce que le mec va faire en face. Le type va pas arrêter de plonger, de sauter, de faire n'importe quoi. Un vrai cabri, un kangourou, les gars. Et voilà, le mec va pas réussir à le tuer, hein. Il essaye, il tire, il essaye, il y arrive pas. Le mec plonge, saute. Et donc là, mais où est-ce qu'il est passé? Bye bye. Et en 5ème position sur la map Stéphane, ah non la map Plaza, oui bref, sur la map Plaza les gars, sur Black Ops 2 nous retrouvons ARX78 qui va faire un petit ninja defuse bien sympathique. Vous allez voir que là bon, il est un peu en train de camper, hein, bon voilà, donc le mec va pas le voir, il lui a mis limite un il a marché dessus mais il l'a pas vu. Donc là il va lancer sa bêtise, le mec arrive avec sa tourelle automatique, bah voilà il meurt. Et donc le mec est en train de poser, bah lui tout simplement qu'est-ce qu'il va faire, il va prendre la petite mallette et il va désamorcer sans aucune pression les gars, voilà franchement bien joué à toi mec. Et donc en 4ème position on retrouve de nouveau The Gamer 933 sur Black Ops 2. Et donc là il a vu un ennemi, donc lui il va le suivre avec son petit bouclier d'assaut un peu rose, tu vois, un peu efféminé, tu vois, un peu sexy, un peu hot, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, on retrouve de nouveau une poursuite en amoureux les gars, parce que là il est juste derrière lui, le mec s'en rend pas compte. Faut dire que bon voilà, il fait pas non plus de bruit, donc le mec pense pas forcément à se retourner. Mais même, il est derrière lui, moi j'aurais été là avec mon bouclier, je l'aurais tabassé mon gars, je serais arrivé dans le dos, j'aurais fait tchon, tchon. Je lui ai remis des coups les gars, je lui ai remis des coups. Enfin bref, là le mec est en train de poser, donc lui qu'est-ce qu'il va faire? Bah tout simplement il va se mettre derrière
juste là, il va se cacher, mais le mec va pas partir, il va rester juste devant lui, à camper. Mais sauf que les gars, faut toujours regarder derrière soi. Aïe aïe aïe, tu t'es fait troller mon pote. Et donc en troisième position sur MW3, sur un map mission, nous retrouvons It's RBZ qui va lancer deux grenades para. Il va se coucher, va mettre sa petite bêtille, en plus manque de respect, il va lui tirer dessus. Et là le mec va rien comprendre, hein. Il sait même plus où il habite. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh mais je suis mort. Et en deuxième position sur Black Ops 2 sur Raid, nous retrouvons CyberTed 1, alias la Tortue Ninja les gars. Je vous jure les gars, le type c'est Donatello. Pourquoi je dis ça les gars? Pourquoi je dis ça? Bien parce que tout simplement vous allez voir qu'il y a je ne sais pas combien d'ennemis. Mais comptez, hein, comptez pour moi s'il vous plaît, comptez pour moi. Il y a toute une équipe, il y a toute une équipe. Le mec il va arriver, il va sauter, il va lancer sa fumée. Il va désamorcer sans aucune pression et les mecs, rien, rien. Si ça c'est les gars, c'est pas un putain de ninja, un putain de nunchaku, un putain de samouraï. Je sais pas ce que c'est les gars, franchement. Et donc en première position sur MW3, sur Arcaden, nous retrouvons It's RBZ qui ne va pas du tout respecter son ennemi. Deux grenades paralysantes, il le regarde, coucou tu vois ma bite, bing grosse bêtise, salut je te tire dessus, hop on fait péter la bêtise et bye bye mon gars. C'est ça Joe Javelin, le respect est mort les gars. Et donc voilà les gars, Stop Distroll, c'est déjà fini, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. En tout cas si vous voulez participer c'est très simple, je l'ai dit en début de vidéo, donc revenez au début si vous voulez savoir comment faire. Donc voilà les gars, j'accepte les clips sur tous les call off. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, bah vous pouvez liker la vidéo, ça fait toujours super plaisir, ou même venir vous abonner. Les gars on est bientôt 13 000 et ça c'est juste énorme, et c'est grâce à vous. Donc voilà, c'était Paul Kenset, bye.